Il se refuse à tout commentaire. Convoqué au ministère indien des Affaires étrangères, Cameron Mackay quitte les lieux sans un mot. Un ultimatum vient de lui être posé. Le haut diplomate canadien doit quitter le pays dans un délai de 5 jours. Ses bureaux à New Delhi ont été placés sous étroite surveillance. Cette expulsion répond à celle d'un haut diplomate indien annoncé quelques heures plus tôt par le Canada. À l'origine de ce bras de fer, l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar, c'était le 18 juin dernier, près de Vancouver. Citoyen indien de confession sikh, l'homme militait pour la création d'un État sikh indépendant, le Khalistan, sur les territoires actuels du Punjab. Il était recherché par la justice indienne pour terrorisme. Le Premier ministre Justin Trudeau accuse l'Inde d'être responsable de l'assassinat. Toute implication d'un gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Le Canada abrite l'une des communautés sikhs les plus importantes au monde. Lors du recensement de 2021, 770 000 Canadiens revendiquaient la religion sikh. C'est environ 2% de la population totale du pays. L'interférence de l'Inde dans ce pays, nous l'avons constaté année après année. C'est triste que ces déclarations interviennent après le décès d'Hardeep Singh Nijjar. De son côté, l'Inde qualifie les accusations canadiennes d'absurdes et reproche à Ottawa de fermer les yeux sur ce qu'elle appelle le terrorisme sikh.